Le préfet, il demande pardon, il dit bonjour Monsieur Goudet. Monsieur le préfet, vous dites bonjour Monsieur Goudet. Vous dites bonjour Monsieur Goudet. Il n'y a plus puissant que vous, il n'y a plus féroce. Allez, regardez, regardez, regardez. On sort de l'esclavage, non. On sort de l'esclavage. Dans ce son-là, un son de guerrier. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. La pétanque, tu m'as touché. T'as de la puissance, hein. Tu voulais me toucher, hein. J'ai vu faire, ouais. Ah ouais. Mais un bon toi, il y en avait. On va à chaque fois, t'as vu voilà. À chaque fois, Ivan, voilà. Il suffisait juste de recommencer. T'as vu comment il me regardait dans les yeux, ouais. Thierry, oh putain, bon c'était, bon, c'était sensationnel. Doucement. T'es en live là, doucement. Putain, c'était trop beau. J'ai vu ses yeux de près. Il m'a dit, tu te casses de là. Doucement. Et Pedro, il paraît que t'as des chefs là-haut. Le monsieur qui donne de l'eau à l'entrée, mais ton chef, apparemment. Et le monsieur qui donne de l'eau à l'entrée, c'est ton chef, apparemment. Mais fais la guimauve, Michel. Je fais de toi mon essentiel. Ça te fait rire. Toi le mignon. Ça te fait rire. Mais tu faisais moins le malin lorsque les tirailleurs sénégalais étaient en première ligne. Alors. 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 Non, c'était son père. Et vous voyez. Ce sont des petits. Vous voyez. C'était son grand-père. C'est ça. Nous avons rendez-vous ce dimanche, ici à même Stade Chemette, à partir de 8h30. Nous sommes partis à Kourou. Nous sommes allés montrer Thierry Kefelec, Général Brun, que je suis qui la majorité silencieuse, eh bien, il vient là. Et à tout ça, nous t'a dit ça. Ça, dimanche, vini nombreux à partir de 8h30 pour nous partir à Soussoulou. Donc, c'est le stade de Badjol que vous donnez rendez-vous. 8h30 pour aller à Soussoulou. Mais ce n'est pas terminé. On vous donne aussi rendez-vous juste après la caravane qui montera à Soussoulou et qui redescendra. On vous donne rendez-vous devant la préfecture pour un pique-nique géant. Vous ne cheviez qu'entrer, chacune ta manière de travailler. Oui, les gendarmes sont avec nous. Les gendarmes sont là, mobilisés. Ils disent non à la vaccination. Non, on ne peut pas nous faire pas de vous être trop. On peut vous être trop là-bas.
il faut, ça tout la guerre, il commence à gagner un monde. On va être fini, Palmis, là, monsieur, maintenant. Il commence à gagner un monde, on va être fini. Les grands frères, ça y fait. J'ai toujours fait la guerre, mais gagne mon après ça fini. Et il n'y a pas de chez mon après, ça va être fini, messieurs. Tu comprends? Ça va être fini. Ok? Pas un problème, les hommes. Mais quand on a ça qui peut finir, fini. Nous allons mettre du fer, pays, de là. Non, pas inquiété. Voilà, accès aux fret fermé, donc pas d'approvisionnement de carburant pour le dépôt pétrolier. Accès Parif fermé, pas d'accès pour la sûreté. Et je pense que vous avez déjà vu devant l'aérogare, c'est fermé. Aéroport officiellement fermé. Deux minutes. Alors un petit message à la caravane. Et comme vous le voyez, les passagers arrivent au compte-gouttes, mais ils ne sont pas sûrs du tout de partir, puisque l'aéroport est complètement fermé. Venu pour lui, pour son non-respect des parents d'élèves, pour le non-respect des professeurs. Monsieur, vous êtes trois cosmonautes, nous vous demandons de quitter ce pays. Le préfet, l'ARS et le recteur. Le monsieur a pris des congés. Il n'a rien préparé. J'étais malade, je ne pouvais pas venir parce que je sais que le rectorat était en grève. Vous n'avez pas respecté les syndicats. Vous ne respectez rien. Il faut que ça s'arrête dans ce pays. Et c'est avec la mobilisation, mes enfants, qu'on va arriver dans ce pays-là, je vous dis. N'ayez pas peur. Olivier et Ivan n'ont pas peur. J'ai pris des coups. Vous croyez que je n'ai pas pris de coups? Aujourd'hui, j'ai un appareil. Je viens de le mettre à la clinique. Et je devais être là. Je m'en fous que je meure. Mais il faut que les choses changent. Monsieur le recteur, respectez les enfants de la Guyane. Respectez-les. Vous n'avez pas fait votre travail. Et vous venez nous raconter du n'importe quoi à la radio et à la télé. S'il vous plaît, faites-le partir. C'est ce que je demande. Merci.